Petite question, j'ai l'air de te draguer ou pas? Non, mais je dis juste ça comme ça. Tu t'es trompé. Je te drague. Vous deux, vous êtes très jolies. J'ai du mal à faire mon choix. Si tu as cru qu'en me disant que tu es enceinte, ça va m'effrayer, tu te trompes. Mademoiselle la prof, ouais. Moi je suis coach, donc il y a une certaine similarité. Non, on ne se connaît pas. Mais toi et moi, on va se connaître. Dans 3, 2, 1. Excuse-moi. Salut. Non, on se connaît pas. Mais toi et moi, on va se connaître. Dans 3, 2, 1. Je m'appelle Rich. Et toi, tu t'appelles? Enchanté. Don't be shy. Non, c'est juste que je suis un peu pressée. J'ai un rendez-vous, c'est pour ça. Un rendez-vous Tinder? Non, un rendez-vous avec des copines. Cool. Petit resto. C'est ça. Nice. Pour un verre et un petit resto. Ah, c'est le verre avant le resto? On va faire les deux. Non, je pense souvent c'est le resto. Puis après le verre. Parce qu'après le verre, tu sais pas ce qui peut se passer. Ouais. Souvent, tu commences avec un petit verre dans un bar ici. Après, tu finis la soirée dans un très grand bar. En tout cas, ça, ouais. Ça m'arrive souvent. Ok. Tu es française? Non. Tu m'as l'air d'avoir d'autres origines. Non. Pas, okay. Pas que je sache, en tout cas. Ok. J'aurais dit quoi? J'aurais peut-être dit espagnol. Là. Ouais, un léger. Un ah, léger. T'as vu? Mais non. Ok. Ouais, faut pas que tu arrives en retard. Non, mais je ne sais pas toujours ce que tu fais dans la vie. J'étudiante en architecture. En architecture, ouais. Intéressant. Petit, je voulais être architecte. Sauf que j'ai compris que l'architecture, c'est pas juste des plans qu'on dessine sur un bout de papier. Ouais. Ça va plus loin que ça. Non, là je sais, troisième année, on fait des vidéos. Hein. Ah, t'as vu? Ça va. Tu parles d'architecture, tu souris. Ça veut dire que tu aimes bien. Oui, j'aime bien. Ok. Ça va. Ok. Tu sais ce qu'on va faire? Tu pourras me dire comment ta soirée s'est passée. Comment tu t'es amusé? Est-ce que tu as dansé? Ou tu as plutôt opté pour un restaurant asiatique? Tu non, manges pas asiatique? Pas, si, mais là, non, là, ça va être italien. Italien, c'est sûr? Ouais, c'est sûr. Pizza ou pâte? Je sais pas, on verra après sur place. Ok, tu me diras ça. Je te laisse prendre mon contact. Ouais, mais et tu m'enverras un petit message. Si c'est pour draguer et tout, je sache que j'ai un copain. Donc Ok, petite question. J'ai l'air de te draguer ou pas? Non, mais je dis juste ça comme ça. Tu t'es trompé. Je te drague. Elle est polie. Toi, tu m'as pas dit bonjour. Oui, bonjour. Elle commence à être polie. Intéressant. Oui. Vous avez un beau style. Merci. Elle est sociable. Non, mais pourtant. Oui. Ça se voit, tu as du peps. Ouais, peut-être. Tu es quoi, congolaise? Non, Martinique. Ok, et toi? Malgache. Malgache, ça se voit un peu. Sauf que les malgaches, on ne sait jamais. Tu vois. Ce qui est hallucinant, quoi? C'est que vous deux, ce qui est hallucinant, vous ne m'avez pas demandé mon prénom. Déjà de un. Et de deux, vous deux, vous êtes très jolies. Merci. J'ai du mal à faire mon choix. Comité d'accueil de Paris, bienvenue à Paris. Merci. Une seconde. Tu vas comme ça. Tu es habillé en noir. Et tu as l'allure d'être une Congolaise. Quoi? Tu as l'allure d'être une Congolaise. Non. Qui aime beaucoup? Hein? Les piercings. Tu es de quelle origine? Martinique. Martinique, ça tombe bien. La connexion entre moi et les Martiniquaises, c'est indestructible. Tu t'appelles comment? Tu viens d'arriver à Paris pour de vrai? Ok, tu es parisienne de base. Voilà. Mais il fallait quand même que je t'accueille. Donc, bienvenue chez toi. Merci. Ok, moi je vais comme ça parce que je suis fatigué. Mais ce sourire, il faudrait que tu me dises comment s'est passé ton vol, ton voyage. Je ne sais même pas si tu as pris un avion. Tu n'as pas pris un avion. Tu étais où? À Londres. Tu as pris quoi? Eurostar. Ah, ok, ça va. La prochaine fois, ça sera un avion. Non, mieux encore, un jet privé. T'aimes pas les jets? C'est pas écologique. C'est pas écologique, je suis d'accord. Il faut se soucier de notre planète. Là, je raconte n'importe quoi. Parce que ton sourire, j'aime beaucoup. Donc, tu pourras me dire comment ça s'est passé à Londres. Ta petite visite à Londres. Tu préfères raconter à ton copain. Sauf que, avec mon expérience de voyageur et de personnes qui accueillent les gens, il n'aura pas le même retour que moi. Quoi, il n'y a pas le feu. Note-le, tu ne vas pas retenir. Il est compliqué. Il est compliqué de je suis compliqué. J'ai même pensé à changer le nom. Il faut changer le nom alors. Voilà. Mais pas maintenant, plus tard. Note-le.
Sur Instagram. Vas-y. Ça te prend 2 secondes. Tu fais quoi à Paris à pas voyager? Tu fais quoi à Paris à pas voyager? Intéressant. Tu me diras ça aussi. UL? Tirer du 8. C'est pas difficile, mais tu l'as mal écrit. UL, pas EL. C'est là. Non, on s'en fout. On s'en fout de l'abonnement. Ce qui commence, c'est encore mieux que l'abonnement. Excuse-moi. Je t'ai effrayé. Un petit peu, hein. Ok, mais c'est bien. Ça s'appelle de l'adrénaline. De la quoi? L'adrénaline. Non, t'as dit que tu ne vas pas parler d'adrénaline comme ça. Non. Pourquoi pas? Bah non, c'est plus super pour mon sac qu'autre chose. Ah, pour ton sac. Plus pour mon sac. Tu n'as pas eu peur pour ta vie, tu as eu peur non, pour ton sac. Non, je ne crains jamais pour ma vie. Ça veut dire quoi? Bah, j'ai pas peur des gens. Tu n'as pas peur des gens? Non. Ok. C'est vrai, tu ne peux pas avoir peur de moi. Ah, non. Tu t'appelles comment? Écoute, je vais t'interrompre, mais je te souhaite une bonne fin de journée. Mais fais pas ce genre de choses, tu peux effrayer les gens. Une seconde. Hein? Tu m'as perdu. On est quitté d'effrayer des gens à bonne fin de journée. C'est quoi le rapport? Ouais, non, mais parce que c'est bon. Bah, ouais. Ah, parce que j'ai été effrayé. Non, mais et ce n'est pas rattrapable. Non, même pas. C'est parce que je vais chercher des pantalons de grossesse. J'ai pas compris. Ah, tu es enceinte? Des pantalons de grossesse, ouais. Ah, tu portes une grossesse? Oui, c'est ça. Ok, ça fait combien de temps? 4 mois. Mais tu n'es plus avec le père. Parce que c'est mon souhait. Si tu as cru qu'en me disant que tu es enceinte, ça va m'effrayer, tu te trompes. Non, tu es toujours avec lui ou pas? Ouais. Sauf que, non, écoute, moi je vais être plutôt de l'autre côté. Ouais, surtout que je suis déjà en retard, tu vois. Ah, okay, mais d'accord. Tu t'appelles comment? Enchanté. Ouais. Tu veux savoir comment je m'appelle ou... Ouais, vas-y si tu veux. Comment ça si je veux? Non, mais dis-moi. C'est sûr que je veux, je suis devant toi. Ouais. Ulrich. Ok. Ok. T'es quoi? Enchanté. T'es de quelle origine? Du Congo. Congo. Mmh. Quoi? Quel, lequel? Kinshasa. Congo, Kinshasa. Mmh. Le grand Congo. C'est ça. Ok. En plus, j'ai une grande connexion la plupart du temps avec des Congolais. Ah, des oui? Congolaises. Surtout plus. Merci. Je vous en prie. Je suis Camerounais. Ah, ouais. Bon, bah, je vous souhaite quand même une bonne soirée alors. Là, tu m'enlèves les mots de la bouche. Non. Tu es parisienne? Ouais, enfin, pas vraiment. Tu es en Île-de-France? C'est ça. Ok. Du coup, là, tu vas chercher les affaires pour le futur bébé. Tu me diras et tu pourras m'envoyer les photos si tu veux. Non, pour me dire qu'est-ce que tu as trouvé ouais. Et pourquoi ça t'a plu. Je trouve que c'est intéressant ça. Ah, je trouve que c'est intéressant. Ouais. Et parce que j'ai envie de te laisser le choix de le faire, tu vas noter mon numéro. Vas-y, je t'écoute. 06 ouais. 50. Vas-y, dis-moi. Comment tu t'appelles? C'est ça. Je t'attendais pas à ça. Non. Tu vas où toi? Bah, je rejoins des potes, mais je sais pas où ils sont, ils vont m'envoyer leur position. Ah, ils t'ont pas encore envoyé la position. Ça veut dire que tu n'es pas encore perdu. Ouais, mais j'ai galéré dedans pendant une heure. Là. À sortir. Ton cas, il est désespéré. Tu fais un peu espagnol. Ouais, je suis d'origine espagnole à moitié. Ok. Et tu es doué qu'il s'agit de deviner des origines africaines ou pas? Franchement, non. J'ai envie de te perdre une fois de plus. Non, je suis pas doué pour ça. Ok. Tu veux aller où du coup? Dis-moi. Si tu te l'agis. Connais ton prénom et tu me l'agis. Ouais. Voilà. C'était ça ma destination. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Tu fais quoi à Paris? Je suis prof. Prof. Ouais. De quoi? De sciences économiques et sociales. Ok. Je suis désolée, je suis pas trop. Je galère depuis tout à l'heure, je vais pas abandonner. Tu sais quoi? Oui. Mademoiselle la prof. Ouais. Moi je suis coach, donc il y a une certaine similarité. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te. Humain. T'as vu? On aime les gens. On est hyper ouvert, hyper sociable. Je vais te laisser mon contact. Et tu m'enverras un message. Si tu veux. 26. Ulrich. Yes. Donc, tu passes une bonne soirée. CH. Exactement. Ça marche. Bon, ben, je t'écrirai si jamais. Tu as porté une capuche. Ouais. Elle est marron, ta capuche. Oui, donc. Et à l'intérieur, tu as un t-shirt. D'accord. Et donc, je m'appelle Ulrich. Okay. Sauf que toi, tu t'appelles. Tu m'as l'air dépité. Non, je suis pressée. Ah, pressée plutôt.
Je préfère que tu sois pressé que d'être dépité. Ah, je suis pressée. Tu t'appelles comment? Joli prénom. Merci. Un peu commun, mais joli. Je ne l'ai pas choisi. Ah bon? Moi, j'ai choisi mon prénom. Ok. Je suis né, je suis sorti du ventre de ma mère. Je lui ai dit, maman, appelle-moi Ulrich. Ok. Pourquoi tu es aussi pressée? Parce que j'ai des trucs à faire. Un samedi? Ouais. Te préparer pour aller en soirée? Exactement. Bon programme. Merci. Avec des copines? Ouais. Que tu as programmé depuis longtemps, tu t'es levé ce matin, tu t'es dit... J'ai c'est mon anniversaire, en fait, j'ai fêté mon anniversaire. C'est tout. T'as vu ça? Joyeux anniversaire. Merci. T'es... 21 ans. Plus ou moins? Plus. Ça devient intéressant. T'es... 23 ans. Plus ou moins? Plus. J'ai vu que tu faisais un audio. Oui. Et je voulais pas te déranger. Oui. Et j'ai cru attendre que tu attends quelqu'un. Oui. Sauf que tu es jolie. Oui. Je ne vais pas continuer. Seulement si tu ne me dis pas ton prénom. Enchanté. Ouais. Mon prénom t'intéresse ou tu as juste envie de te barrer en courant? Hein? Mon prénom t'intéresse ou tu as juste envie de te barrer en courant? Parce que je t'en quelqu'un d'encore. C'est Ulrich. Ulrich. Ouais. Enchanté. Tu es de quelle origine? Du Rwanda. Comment? Rwanda. Rwanda. Ouais. J'ai pas rencontré beaucoup de Rwandaises. Vous êtes de quel pays? Cameroun. La personne te retrouve dans combien de temps? 3 à 5 minutes, là, il est là. Il? Le reste ne m'intéresse plus du moment où tu as dit il. Ouais. Prends mon numéro. On pourra continuer cette conversation. Ouais. 06 50 T'es 43 ans. Moi. T'es 25 ans. Moi. 24. Ouais. Ok. On n'est pas loin. Okay. Donc il y a possibilité qu'il y ait une connexion qui se crée entre toi et moi. Juste de par ce point en commun là. Ok. La seconde chose qui m'intrigue, hormis ton visage, ce sont tes origines. J'en ai pas plusieurs, j'en ai qu'une seule. Une seule. Vu ta voix et la couleur de tes yeux, sans parler de tes doigts, je dirais que tu es martiniquaise. Pas du tout. Je suis pas loin. T'es très loin. Ok. C'est un pays où on retrouve des noirs. Bien sûr. Congolaise. Pas du tout. C'est très compliqué. Ton origine. Pas du tout. Capverdienne. Pas du tout. Pas camerounaise, c'est sûr. Pas ivoirienne. T'es ivoirienne. Okay. Je ne veux pas que tu arrives en retard. Il faut que tu te profites. C'est ta journée. C'est ta soirée. Exactement. Tu dois kiffer. C'est ça. Prends mon numéro. Tu me diras comment s'est passée cette soirée d'anniversaire. Parce que là, on venait de... C'est toi de prendre mon nom parce que c'est toi qui m'as arrêté. C'est pas l'inverse. Je suis totalement d'accord avec toi. Voilà. Je voulais te laisser un petit échappatoire. Est-ce que je lui envoie un message? C'est vrai, il est sympathique. Il est beau gosse. Est-ce que je lui envoie un message? Mais si tu veux, je te laisse aucun échappatoire. Parce que sûrement, je t'enverrai un message. Ok. Je pense qu'il faut remonter. Voici ce qu'on va faire. Si tu vois, je n'ai pas mon téléphone sur moi. Donc tu prends mon téléphone là, tu me bipes. Pourquoi t'as pas ton téléphone sur toi? Je suis sorti me balader. Il y a des moments, je travaille sur les réseaux. Je suis entrepreneur. Donc il y a des moments où j'ai vraiment envie de me déconnecter de ça. C'est 06 ou 07? 06. 50. C'est bon. Tu iras en soirée, du coup? Ouais. Tu as réservé une salle ou c'est non, déjà, une boîte de nuit? Non, déjà je vais au resto et après... Ok. Tu me raconteras tout ça. Il n'y a pas de soucis. Ah, mais sois bien. Merci.